cactus, tis, Rudy the cactus, tis, Rudy the cactus, tis. Et salut les amis, c'est Prime Furious, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me. Aujourd'hui les amis, on va évaluer le Bat Dragon Méga Néon. Ça y est, enfin, on m'en a prêté un. Je remercie Farax de m'avoir prêté son Bat Dragon Ultime Méga Néon pour que je puisse faire l'évaluation les amis. On va voir ce qu'il vaut, on va voir ce qu'on est prêt à donner, à se jeter pour avoir ce pet. Il est juste magnifique, ça fait longtemps que je le veux. Bon, tu me le donneras à la fin de la vidéo, Farax, moi je le veux bien. Bon, par contre, il est malade, on va quand même lui donner une petite pomme, hein. Mais on va aller l'évaluer ensemble, on va voir le nombre de personnes qui vont se jeter sur nous pour avoir ce pet. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir du monde. C'est parti, les amis. Et on part de là, les amis, c'est parti, regardez-moi ce pet, il est juste magnifique, c'est un truc de ouf. Allez, venez, les enfants, je suis là, venez faire des échanges. Alors, par contre, s'il n'y a pas du monde qui vient, je comprends plus rien. C'est parti, donc je vais pas l'appeler Brutus le cactus. Bon, déjà vous allez voir qu'ils vont me mettre à chaque fois tout leur inventaire, tous les pets qu'ils peuvent, tous les pets qu'ils trouvent, tous les pets qui, je sais pas, ils vont me mettre des potions, des trucs n'importe quoi. Bon, bien entendu, là, même pas pour rire. Moi je t'aime bien, franchement j'ai rien contre toi, je t'aime bien. Nouvel échange les amis, nouvel échange. Alors vas-y, toi Kaido Bou. Ah, une girafe. Un dragon golden, deux dragons golden. Qui dit mieux, un golden rat. Attention, vas-y, lâche-toi. Il nous lâche le gardien lion, le guardian. Et c'est tout. Je crois que ça va s'arrêter là. Peut-être avec ça, t'as un shadow, en fait. Ouais, avec ça, t'as un shadow. Oh là là, là, ça change tout. Le Metal Ox, les amis. Là, c'est vrai que d'un coup, j'ai envie d'accepter. Une tortue néon. Je me demande ce qu'il va rajouter d'autre. Apparemment, il aurait dû mettre la tortue néon avant. Elle vaut plus cher que tous les pets qu'il a mis. Une licorne. Ouais, bon, là, je suis pas convaincu de la fin. Là, je crains le pire pour le dernier pet. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le Bronzebeard. Voilà, là, on va accepter. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Suivant. Voilà, fais voir, toi. Focolope, coupe. Une tombe. C'est tout? Une tombe? Juste une tombe, comme ça, à la vraie. Ben, non. Bien sûr que non. Tu penses bien, je vais pas t'échanger un Bat Dragon méga contre une tombe. Imenix Dan. Oh, wow là là, il me lâche du méga néon, un golden dragon méga. Alors si tu avais fait ce trad il y a plusieurs mois en arrière, peut-être tu aurais eu un méga frost. Mais là maintenant, non. Je suis désolé mon ami, mais non, c'est pas possible. Il se lâche. Il se lâche. Alors ça ne vaut toujours pas, mais il se lâche. Déjà il m'a proposé quand même le Frost Méga Néon. Il m'a lâché aussi le Bat Dragon avec. Ça ne vaut toujours pas, je vais accepter juste pour voir ce qu'il va faire. Juste par curiosité. On va voir. On va voir s'il va m'être content, pas content. Normalement il va accepter d'entrer, vous allez voir, il va se jeter dessus. Là ça sent le gars qui se jette dessus. C'est sûr et certain qu'il va dire oui. Attention, validation forcément, mais non. Voilà, je ne veux pas mon ami. Ça ne m'intéresse pas, bien entendu. Un Bat Dragon, ça vaut 2 Frost. Donc forcément, un Bat Dragon méga, ça vaut 2 Frost méga. Voilà, c'est ça le problème. C'est que malheureusement, le Frost, il vaut beaucoup moins que le Bat Dragon. Donc du coup, quand vous faites des trades, ben, il faut quand même qu'ils mettent le paquet. Alors qui sait qu'il y a 2 Frost méga, pas grand monde, hein. Voilà. Non, mon ami, non. Je suis désolé, mais non. Allez, suivant. Tu proposes quoi, toi, mon ami Johnny Z King? Un Chronéon. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est quand même un bon pet. Un dragon méga. Voilà, j'ai l'impression que je suis tombé sur un serveur où il y a des bourges dessus là. Déjà c'est pas la même là, regardez tous les néons qui me lâchent. Et bien sûr les Metalox. Et oui, mettez-en plein, mettez-en nombreux. Pourquoi à chaque fois ils mettent ce pet? Il y a personne qui en veut mon gars, personne. Personne n'en veut. Il va m'en mettre jusqu'au bout. Tous ceux qu'il a eu. Comme si ça changeait quelque chose en fait, le Metalox au milieu, vous savez. Ah, lui, c'est celui qui avait le méga néon, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, méga néon frost. Il va me remettre le même trad. Il rajoute plein de pets. Il rajoute plein de pets, attention. Bon, il a rajouté 3 pets, en fait. 4. Est-ce qu'il va faire le plein? Je crois qu'il va s'arrêter à ça. En fait, je pense qu'il ne connaît pas la valeur du Bat Dragon méga. Et du coup, il rajoute des pets. Mais, bon, on est loin du compte, mon ami. Ouais, même moi, si je faisais l'échange, je sais très bien que ça ne vaut pas, les amis. Ah, ça y est, revient à la charge. Là, il va peut-être me sortir 2 méga néons. Attention, il va peut-être se lâcher. Wow! Là, il s'énerve. Là, il s'énerve. Là, il s'énerve en plein. Alors, un Shadow Néon, ça ne vaut pas un méga néon Frost. Hein. Ça vaut moins. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça ferait peur. Ben non, ça ne vaut pas, mon ami. Mais là, c'est comme s'il m'avait donné une licorne méga néon Evil plus le méga Frost. Là, il s'est lâché, là. Là, il a envoyé du pâté. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ben voilà, ça y est, un méga néon. Méga néon, méga néon.
Ça vaut pas du tout, hein. Mais voilà, ça vaut pas du tout. Là, c'est comme si, en fait, pour l'époque, c'est comme si vous avez échangé un kangourou et une tortue pour avoir un bat de dragon. Ah, c'est l'équivalent, en fait. Donc, bien sûr, la réponse, c'est non, mon ami. Hein. Faut être conscient, quand même, que si vous pouvez pas le trade contre un bat de dragon classique, vous l'aurez pas le méga néon. Même moi, de toute façon, j'ai même pas les pets pour l'acheter. Faudrait que je lâche la moitié de mon sac. Il est pas en train de se moquer de moi, le monsieur. Il me propose donc un Arctic Render méga, un Golden Ram méga, un Kitsune méga. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comme ça qu'il faut raisonner quand vous voyez Strad, c'est est-ce que vous échangeriez un Bat Dragon classique si ses pets n'étaient pas en méga néon? C'est ça la question à se poser. Je pense qu'on n'aurait même pas un Frost avec ça en fait. Donc un Bat Dragon méga non plus. Même s'il avait eu le Kangourou méga, ça aurait été non aussi. Il faut vraiment qu'il mette la purée. Par contre, il a quand même envoyé du lourd. Hein. Regardez, il a mis la baignoire et tout. Là, je pense qu'il a mis tous les pets rares qu'il avait dans son sac. C'est quand même un très beau trad, mais ça ne vaut pas. Je suis désolé, mon ami. Mais ça fait du bien quand même quand je vois des beaux trades comme ça. C'est magnifique. Dragon méga, un frost. Waouh, il est même pas fly celui-là. Il est pas nos potions, mais il est pas fly non plus. C'est incroyable. Des licornes. Bon, ah, par contre, à chaque fois, ils me mettent des ox. M'arrêtez avec les ox, j'en peux plus, je veux plus les voir, ces pets. Arctic Render méga. Voilà, il me remet les pets méga. On va voir s'il va en mettre plus. Vas-y, lâche-toi, mon ami. La force est en toi. Qu'est-ce qu'il va me mettre d'autre? Là, je sens le Golden Egg. S'il avait mis même le Diamond, en fait, ça valait pas. Il va me remettre les mêmes pets, je pense. Les mêmes œufs, les mêmes trucs. Alors, ils collectionnent, hein. Ça, c'est les collectionneurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent à quoi ça sert d'avoir les œufs. C'est juste pour la collection, en fait. Hein. Vous les gardez pas. Vous les ouvrez jamais, en fait. C'est juste pour les collectionner, mes amis. Un nouveau serveur, les amis. Un énième. Mais regardez le monde qu'il y a. Ça sent les pets, ça. Ça sent les gens riches. Ça sent les gens blindés. Plein de pets dans le sac. J'espère qu'ils vont envoyer du très lourd. Moi, je compte sur vous. Nous sommes à fond. Allez, vas-y, lâchez-vous. Lâchez-vous un paro. Ben non, je suis désolé, mais non, si tu m'avais mis un paro méga à la rigueur, mais pas un paro tout court, quand même pas. Allez, s'il vous plaît, lâchez-vous, on le voit que vous êtes riche. Il y a du pet, on sent qu'il y a du power. Alors, je mets mon bat de dragon et j'attends. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Un all néon, un paro et les ox. Non mais sérieux, les metal ox, les gars, mais arrêtez avec ces pets là, c'est pas possible. Il va tous me les mettre, mais j'en veux pas. C'est les pets du moment, tout le monde les a, mettez-moi des pets rares. Oceanix, machin chose. Je crois qu'elle est venue il y a quelques secondes. Elle m'a mis un paro. C'était pas elle? Ah non, un Arctic Render néon. Un albino, un Arctic Render. Elle les a tous. Elle les a tous. Un hall. Alors, là, si elle avait eu l'intention d'avoir un bat de dragon, disons que son trad n'est pas pourri pour avoir un bat de dragon. Voilà. Là, vous mettez ça. Ouais, là, vous avez largement un bat de dragon avec ça. Mais c'est plus un trad pour avoir un bat. Alors, mais les albinos Moonkey, t'en as combien? Elle les collectionne. Bon, ça m'intéresse pas, mais en tout cas, si tu voulais un bat de dragon tout court, t'étais bien parti. Alors, vas-y, 7 dévore le cornélien. Un méga néon frost. Oui, ça me plaît, ça. Oui, vas-y, lâche-toi. Pop, 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 pop. 3 méga néons kangourou. Oh, là, il a mis le pâté, hein. Il a mis le pâté. Après, si on se positionne toujours, réfléchir, comme si la personne était en train de vous trad, en fait, tout simplement, un bat de dragon. On vous propose un Frost plus 3 kangourous, vous allez dire non. Voilà, tant bien même ils sont méga néons, ça reste quand même des kangourous. Ouais, c'est... Non, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas, mais c'est pas un trad pourri, c'est juste même un trad hallucinant. Hein. Qui c'est qui se balade avec 3 kangourous méga néons dans le sac? Bah apparemment lui, il les a. 7K Divine, mais c'est le même je crois, il va me remettre le... Ah, il me remet les kangourous méga. Vas-y, on va voir ce qu'il a de plus. Parce que là, il va ajouter 4 kangourous méga néons. Ouah! Mais là c'est la même. Voilà, c'est comme s'il me proposait un Frost et 4 kangourous. Si on se positionne en méga néon, hein, parce que faut pas oublier que c'est pratiquement 2 méga néons Frost le bat de dragon méga. Il vaut ultra cher. Hein. Ouais, là on n'y est pas. Hein. On n'y est pas encore. Mais c'est quand même hallucinant. Je veux dire, quand on voit le trad, c'est un truc de ouf quand même. 4 méga néons kangourous le mec il a dans le sac. Ça veut dire qu'il a 64 kangourous le gars. Il me rajoute des pets. Il est en train de voir que j'accepte pas, il rajoute des pets. Or, tant bien même si on évaluait en points... Ah, il a enlevé quand même un kangourou méga. Il en a enlevé un. Ouais, mais non, ça vaut pas, mon ami. Si déjà, avec les 4, ça valait pas, mais si tu en rajoutes un, si tu l'enlèves, en plus, ça vaut encore moins. Est-ce que la girafe méga accepterait contre le bat méga? Je suis curieux. Normalement, ça se vaut, hein. J'irais même que le bat, il vaut plus.
parce que le bas de dragon est quand même un pet qui est plus joli en méga néon et il est un peu plus recherché. Bah, il a refusé, hein. Vous avez vu ça? Il a refusé le trad. Il a refusé de m'échanger sa girafe méga néon. Celle-là, je l'attendais, mais là, c'est juste énorme. Oh là là, mais ça arrête plus. Mais ça, c'est un trad de ouf. Oh là, il met le pâté, le gars. Là, il met le pâté. Hein. Déjà, là, il y a un shadow néon. Alors, est-ce que... Là, vous pouvez avoir un méga frost, bien entendu, avec ça. Hein. Là, vous avez largement le méga frost. À mon avis, ça vaut un peu moins quand même que le trad avec le méga frost et les 4 kangourous méga. Mais c'est juste impressionnant. C'est juste un trad qui est impressionnant quand même. Voilà, là, mais c'est dingue. C'est dingue les trucs de ouf qu'on me propose. 611 SXB. Je crois que c'est lui qui m'a proposé tout à l'heure la Evil Mega. Ça y se relâche. Une tortue méga néon. Un kangourou méga. Un Arctic néon. Deux Arctic néons. Une méga co. Le trad. Là, il s'énerve. Là, il est énervé. Voilà ce qu'a aussi proposé deux Evil Mega, hein, parce qu'il m'a quand même mis un Shadow Néant. Le trad de ouf. Je vais juste accepter pour voir s'il va jusqu'au bout. Alors, c'est juste impressionnant à voir là. Là c'est un trad de dingue. Hein. Mais je suis quand même à dire que c'est en dessous. C'est quand même en dessous. Malgré tout, il a quand même mis un beau trad, mais c'est quand même en dessous. Moi, en tout cas, si j'avais un méga néon Bat Dragon, je ne l'échangerais pas contre ça. Alors là, je vais lui faire un trad juste pour rigoler en fait. J'ai juste envie de rigoler, j'ai envie de voir ce qu'il va faire. On va mettre... Voilà, on va voir s'il va me laisser le temps de le poser. Je vais lui poser ça, on va voir s'il va accepter. Voilà, faut être un fou pour refuser ce trad. C'est obligé qu'il accepte, là. Voilà, je vais accepter, je vais juste voir ce qu'il va faire. On va voir, hein. Ouais, forcément, hein. Bien entendu, tu acceptes. LOL, je dirais, LOL. On arrive au bout des trades, les amis. Ça y est, nous avons terminé notre petite session. Vous avez vu quand même que c'était assez impressionnant de voir les pets qu'on vous proposait. Et maintenant, de mon côté, je comprends un peu mieux aussi pourquoi les gens refusaient quand ils avaient un bat dragon méga et que je leur faisais des échanges. Donc au moins, maintenant, j'ai à peu près un aperçu de voir à peu près ce que ça vaut. Ça vaut ultra cher. Hein. Il va falloir vraiment envoyer du pâté. Mais le plus simple, en fait, c'est de s'orienter vers des bat dragons néon et ensuite de les transformer en méga. Voilà, d'essayer d'accéder au méga direct. Je pense que c'est quasiment peine perdue parce que personne va vous les changer. C'est tellement rare qu'en tout cas, faut avoir énormément de chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, comme d'habitude, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!